Mesdames et messieurs, petits et grands, bienvenue dans la suite de nos aventures dans The Wild at Heart. On avait récupéré Kirby et on était dans une zone un peu compliquée où, tout simplement, il fallait activer des portes et des plaques de pression pour avancer. Donc en gérant à la fois Kirby et à la fois Wake, ce qui était un petit peu tricky. On va voir si on s'en sort mieux aujourd'hui. Et donc nous voilà en jeu, on était retourné au bosquet pour ben, tout simplement se sauver, puisque on n'avait pas de chance, on m'avait accompagné, si je me souviens bien, cette dent de géant jusqu'au portail, et malheureusement, entre nous et le portail, enfin entre le campement et le portail, on avait eu un monstre qui nous avait empêché de revenir. Donc on va continuer, je pense, notre aventure dans la grotte engloutie. C'est parti. Et j'ai complètement oublié de prendre les farfelins avec moi. Je vais donc rusher jusqu'au camp. Voilà, donc on court jusqu'au camp, courant, on récupère des farfelins. Donc on a dit, on prend tout cela et on complète avec cela. C'est parfait. Est-ce que j'ai besoin de vider mon inventaire? Un peu. J'ai pas forcément besoin de tout ça. Ce serait bien qu'on trouve de quoi augmenter nos cœurs. Maintenant, on va regarder un peu la carte. Donc, on avait fait cette zone. Je me souviens qu'il y avait un coffre par ici, je crois. On n'avait pas réussi à atteindre. Et on était sur cette bout de zone-là qu'on n'arrivait pas forcément à voir. On va voir ce qu'on peut faire un peu ici. On a un petit peu de choses à attraper. On peut passer par là du coup sans souci. On peut en profiter pour récupérer des petits pépins. C'est parfait. Alors, ça tremble. Ça sent le crapaud. Où est le crapaud? Non, j'ai pas de crapaud. Donc ici on voit qu'on aurait une zone qu'on n'a pas explorée. Ah, ça tremble quand je suis par ici. On va avancer prudemment et c'est tout. Voilà, du coup ici on est coincé, on va devoir refaire la manip. Switch. Je me glisse là. J'ai pas de farfelin, donc ça se passe pas bien. Je me souviens plus. Je me souviens déjà plus de comment on avait fait. Allez, sachant qu'on peut faire ça. Non, on peut pas. Oui. Là. J'ai vu que ça a bougé, mais... Alors ça a bougé, mais visiblement pas suffisamment. Décidément plus du tout. Ça commence bien. Ici on a un chat. Est-ce qu'on peut l'attraper, le carton d'ailleurs? Je vais pas essayer. Non, il est bien trop loin. Je me souviens plus du tout. Ça commence bien. Là, je peux arriver de l'autre côté, mais ça ouvre quand même pas.
Il me faudrait les farfelins. Il me faudrait la grille. Ici, je peux peut-être faire des choses. Ok, donc il va me falloir les farfelins de toute façon. Et il faut que je débloque le chemin pour Wick. Est-ce que je peux récupérer cela visiblement? Ouais, qui donne-moi tes farfelins. Qui ne me donne pas ses farfelins. Mec, Wake, envoie-moi tes farfelins. Non. Je peux faire ça. Oui, je peux faire ça. Je peux faire ça, mais j'ai un emploi tout pourri. Voilà. Ah! Ils sont retournés du côté de Wake. C'est pas ce que je voulais. Ah, pas tous. Pas tous, pas tous. J'en ai quelques-uns. J'en ai 10. On va se dire que ça va suffire. Voilà, ici c'est cassé. Il faut qu'on trouve l'hélice. Et par là, on ne peut pas aller à droite. Ok, on peut par contre sans doute descendre ici. Je vais revenir là. Ça nous ramène au camp, donc en fait je suis en train de me dire on avait débloqué le chemin pour Wick. Donc on va pouvoir faire ça, hein. Je vous récupère les gars. Voilà, comme ça on récupère Kiwi. Et on y va. Déjà un chemin alternatif. Je pense qu'on l'avait... Oui, on l'avait fait. On récupère tout le monde. On est bien à 30 sur 30 et on monte la petite rampe. Voilà, donc ici un petit peu dessous. Alors comment on peut sauver ce chat? Allez. Pas assez de puissance. Voilà, normal. Ça suffit. Je l'avais peut-être déjà activé. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Un peu dommage de plus se souvenir, mais. Ouais, c'est pareil, là du coup ça ne fait rien, donc on avait dû activer également. Par contre, effectivement, ça permet pas à Wick de nous rejoindre par ici. Si j'ai une bouteille, c'est pas forcément le plus intéressant. On va envoyer des farfelins à Kirby. Fais attention, la journée commence déjà à descendre. Ici, il y a le gros blob. Allez-y les gars. Ah, le gros blob se transforme en bébé blob. Allez-y les gars. Ouf, j'ai pris un petit peu de dégâts en passant. Tout va bien. Du coup, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que... j'ai pas accès à là-bas. Et je peux pas les lancer assez loin. Ah, voilà. La roue est là-bas. C'est à peu près évident. Et on a dit qu'il n'y a pas de chemin caché par là.
Il y a une poubelle, mais ça. Voilà. La poubelle, c'est résolu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux peut-être juste tout simplement les lancer dessus. Ils font leur taf. Et c'est putain la nuit que putain je l'ai vu que ça allait arriver. Oh là là, oh là là, oh là là. Oups. Wake. Il faut wake. Je peux pas le faire descendre. Je vais devoir. Est-ce que je peux activer cette roue avec mon... J'ai pas l'impression. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh. Cours, wake, cours. Saute. Ça ira plus vite. Wake est sauvé, maintenant Kirby va rester à côté de cette lampe. Heureusement j'ai des farfelins là, est-ce que je peux les récupérer? Oh là là. C'était pas le meilleur plan du monde, j'ai encore réussi à ne pas surveiller l'heure. Pas de lumière là. J'aurais tellement essayé d'activer cette chose là. Ouais non, il me faut wake. Courez. Reste à côté de la lampe. C'est flippant. On va laisser la nuit passer, qui a pris bien cher. Est-ce que je peux mettre Wake à sortir, à dormir? Oui, voilà. Non, on va pas laisser nos farfelins. J'aurais 8 farfelins? Ah bah oui, 21 plus 8. Plus 1, ça fait 22. 22 sur 30, ça fait 8. Voilà. Non. Je crois qu'on va perdre des farfelins. On va manger un peu, de toute façon. Ah, ça restaure des cœurs aux deux. C'est assez intéressant. Et tant pis, on va tout simplement passer, attendre que la nuit passe. Même si du coup je vois pas forcément comment je vais faire pour avoir Wake pour activer cette éolienne. Non. On bouge vraiment pas. Il faut rester à côté de cette lumière. Je peux peut-être les détruire avec ma lampe. C'est vrai que j'ai pas forcément pensé à les détruire. On peut peut-être se tenter ça. Allez, lui fini. J'aimerais avancer un peu. Oh là là. Je sais pas du tout du coup où sont les 8 que j'ai laissés. Allez, c'est tellement long la nuit.
Voilà. Alors, ça y est, on est en journée. Du coup, je me posais la question de où est-ce que j'aurais pu oublier la... la... l'éolienne pour ce côté-là. Peut-être un peu caché, genre par ici. Ce serait pas étonnant. En tout cas, on va avancer. Il est temps et je lag un peu. Voilà. Alors. Je sais pas du tout où sont les 8 que j'ai abandonnés. Ah, sont... Alors. Ouais, bien ce que je pensais. Kirby n'a pas ce pouvoir. Muffowek. Comment je fais pour emmener Wake? Est-ce qu'il faut ouvrir cette porte? Et on a dit que c'était pas cette plaque de pression là. Je sais d'ailleurs plus à quoi elle sert. Mais... Vous pouvez faire des choses les gars? Mais non, vous pouvez rien faire. Je peux me glisser là. Ah si, on a dit. On a dit qu'on pouvait faire le tour. Voilà. On est bon, on est tous les deux, on a fait le tour. Oui, on a fait le tour, mais j'ai toujours pas Wake en bas. Oui, c'était ça le souci. Et je vois toujours pas comment ouvrir cette grille. J'aimerais bien récupérer mes farfelins. Mes farfelins. Sérieux? Ah puis je sais pas pourquoi mon PC lag là, ça va me lourder. Ici je les mets là, je peux pas les récupérer. Et peut-être que Kirby peut lui les lancer, c'était tout nul. Ça c'est tout nul également. Ça c'est pas beaucoup mieux. Et je dirais pas ça c'est encore pire, mais non. Non, retournez pas voir Kirby. Restez en haut. Restez en haut, restez en haut. Alors est-ce qu'il faudrait pas, par exemple, en mettre 5 ici et en mettre 5 là? Voilà, c'était tout con, fallait activer les deux en même temps. Je peux récupérer mes farfelins? Merci. On va déjà avoir l'air moins con. Visiblement, le fait d'enlever les farfelins, pas de soucis, la plaque de pression reste active. J'ai envie de dire tout ça pour ça. On va pouvoir remonter. Et pour remonter, du coup, faut faire tout le tour. Par ici. On grimpe ici. Et on y arrive. Voilà. Donc il y a encore des petits endroits pour Kirby. Ça, normalement, ça doit être voilà, cassable. Revenez, les gars.
Merci. Je pense que Kirby va pouvoir y faire. Parce que là, des copains qui font les malins. Ah si, on va pouvoir. Voilà, utiliser notre lampe. Et gérer. Parfait. Je peux sauter ou non? Alors, on est à 30 sur 30. Tout va bien. On a perdu personne. On récupère un petit peu de loot. On se débloque le chemin pour le retour. Parce que vu comment c'est sinueux et vu comment la nuit arrive vite, on va essayer de faire attention cette fois-ci. L'inventaire est plein. C'est pas grave. Allez les gars. Les petites billes. Alors on a vu. Il y a des champis. Je sais que eux sont efficaces contre les champis. Je pense qu'on a perdu personne. Non, 30 sur 30, c'est parfait. J'ai pas forcément besoin d'un petit peu de loot supplémentaire. Donc voilà. Toi, tu vas me chercher la bouteille. Il y a un petit chemin. Non, c'est juste. C'est juste du décor. La poubelle. Non, la poubelle, vous pouvez pas tout seul. Voilà. Non, par contre, vous me ramassez ça, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu de loot, un petit peu de poubelle, encore. C'est vrai que j'ai pas du tout pensé à vider mon inventaire. On y était avec Wake au camp tout à l'heure. Vise bien, Chobiti, vise bien. Non, je vise comme une quiche. Faut que je vise où pour qu'ils comprennent qu'il doit aller là. Route. Voilà, je vais viser ce côté. Donc c'est parfait, il nous libère le chemin pour retourner au camp. Donc, du coup, on va le prendre tout de suite, on va pas se gêner. On traverse là. Et on vide notre inventaire. Voilà, ça c'est fait. Par contre, 29 sur 30, ça veut dire que j'en ai un qui fait le malin, ou que j'en ai perdu un dans le tas. J'en vois pas là. C'est pas impossible qu'on en ait perdu. On va vérifier. Je vois personne. Ah si, t'es là. Fais le malin, mon gars. Alors, on a un crapaud, c'est pour ça que j'entendais des boing boing de crapaud qui nous salit tout le monde. Allez les gars, soyez courageux. Oh, on en a perdu un petit paquet. Voilà, on en a perdu priori 7. Voilà. En faire des nouveaux du coup. Alors ici on a plein de saletés à récupérer. Petite poubelle, ça je peux prendre, ça je dois pouvoir prendre aussi. Ici on a un mur. On peut. Je peux récupérer mon farfelin. Oui. Kirby, son pouvoir, il sert pas contre ces trucs-là. Non. Alors, petit champi, on va le prendre. On va séparer en deux groupes.
Ah, c'est des furfelins de feu en plus qu'on a perdu tout à l'heure. Voilà, on a récupéré tout le monde. Avant de jeter les gens, on va reséparer en deux groupes. Prendre que cela. Ces choses-là, notamment, ne m'inspirent pas confiance. C'est parfait, les gars. Un petit peu trop loin. Pourquoi toi, tu veux pas? Alors, c'est pas le coffre que je vous demande d'ouvrir, si vous touchez à ces choses-là. Alors, on a trouvé de la résine de cœur racine. Utilisé au bosquet, c'est parfait. Et du coup, on va pouvoir casser ces choses-là avec un peu tout le monde. Et du coup, ramasser les gars, ramasser tout ce qu'il y a à ramasser. On n'est pas très loin du camp. Je pense qu'on va tout simplement y passer la nuit. Puisque la nuit, eh ben, punaise. Déjà, mon dieu. Mais descend. Soyez pas con. Soyez pas con. Courez. Courez. Punaise. Déjà. La nuit arrive vraiment super vite. Voilà, on va pouvoir dormir. C'est une bonne chose de fait. La vraie nourriture me manque. Oui, qu'est-ce que je donnerais pour un burger d'Ila de chez Poncho? J'ai dit de la vraie nourriture. Ok, alors, que mangerais-tu si tu pouvais? Un tacos de tempé brûlant, des cupcakes de choucal de la pâtisserie nave. Au moins, on n'aurait pas à se battre pour partager. Et on va pouvoir repartir. On va faire éclore des pépins, parce qu'on a vu que... Quoique 1 sur 28, 1 sur... Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que j'ai 28 pépins et pas 28 farfelins. Oui, c'est ça, j'ai 6 farfelins et 17. Donc on va pouvoir en faire une dizaine. Et peut-être aussi un peu de cela. Au pire, il reste à l'intérieur. Donc du coup, on récupère tout ce monde ici et tout ce monde là. Donc on va pouvoir continuer. Ah, le crapaud a repopé. Seul coup de crapaud. Ah, seul coup de crapaud. Alors est-ce que non, notre rayon lui fait absolument rien. Allez les gars, soyez courageux. Soyez courageux, je sais, c'est contre lui que je vais être mort tout à l'heure. Ah là là. On a 6 pertes. On a 7 pertes. Oh, les pertes sont considérables. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'était catastrophique là, je vous dis. Catastrophique. Je suis bonne pour refaire éclore tout le monde. Et je suis même pas sûre d'avoir assez de pépins. C'était vraiment mal joué, Chobiti. Bah tout, tout. Fait tout éclore. Je sais pas combien j'ai de chaque, mais aïe aïe aïe. Bien douillé. Ah, d'ailleurs, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... récupérer des nouvelles graines. Voilà. Et remonte.
même chose, on va récupérer des nouvelles graines. C'est parfait. Ici on avait fait. On va pouvoir avancer par ici. Gérer les champignons. Gérer les poubelles. Prendre le loot. Oh, c'est parfait. On a de quoi résoudre notre pile. Ok, il y a un blob. C'est parti. Il y a deux blobs. Puis vous, sérieusement. Ah là là. Non, putain. Allez-y. Je voulais que vous lâchiez vos trucs. J'ai pas l'impression que vous les avez lâchés. Hop. Je vous prends le rec. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut récupérer des champignons. Ici, on a ces choses-là. Et on peut rien en faire. Ok. Il nous faut un Kirby. Un truc à prendre. On est où, là? Ok, on est en train de faire le tour en fait de la grotte engloutie. C'est vrai que j'étais pas forcément allé par là, je crois. Et je pense qu'on va s'arrêter avec cette nouvelle zone. Enfin, du coup, qui est la zone de départ, celle dont on vient en fait. On a fait le tour. Oui, c'est ça, les boissons du centre, on a fait le tour. On venait de là. C'est là où on a trouvé Kirby. Pas forcément la peine d'y retourner du coup. Et ici, est-ce qu'on a tout fait? Bah non, il y a des choses ici qu'on n'a pas pu faire, et visiblement, peut-être un peu par là. On va finir vite fait la zone. On va voir s'il y a vraiment rien à faire. Bah non, ici. Ah, on peut grimper ici, ouais. Je n'avais point vu. Et on a réussi à allumer la statue. Je sais pas si c'est un grand intérêt. Mais on a allumé la statue. Certes. Ok, il y a des petites... Je peux pas les atteindre, c'est ça que vous me dites. Certes... Ah, j'ai allumé la statue. Peut-être dû l'éteindre. Est-ce que je peux l'éteindre? Parce que oui, en apaisant la statue... Quand je l'aspire, ça fait diminuer le rempart qu'il y a là. Sauf que du coup, je peux pas passer. C'est malin. C'est malin. Comment je fais? Oui, et puis eux, ils peuvent rien faire. Je peux pas les envoyer. Lol. Je pense qu'on va s'arrêter là, tout simplement. J'aurais bien aimé
comprendre que le fonctionnement de sa statue, je suis un peu tristesse. On va essayer de récupérer les copains. Oui, vraiment, il va nous falloir le pouvoir de Kirby, mais je comprends pas pourquoi. Peut-être qu'on peut pas encore dans ce sens-là, hein, tout simplement. Mais on verra ça la prochaine fois. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, même si on a été un peu coincé, un peu compliqué, et que la nuit est mauvaise, et que décidément, j'ai un peu du mal à gérer le temps. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.